Salut tout le monde. Aujourd'hui ça va être un peu spécial parce que hier comme je vous ai dit j'ai testé d'enchanter tout pour monter niveau 100 et enchanter mon armure, chose qui est faite. Donc maintenant que tout est fait, je vais enfin pouvoir foutre sur la gueule à Alduin. Et vous allez voir. Donc j'ai déjà essayé hier, c'est tendu. Même si je suis overpété de la mort qui tue maintenant, et que je peux détruire un dragon très facilement. Le problème d'Alduin, c'est que, bon, en plus ils étaient trois au moment où je l'ai fait, mais il a tendance à foutre sur la gueule très vite, très fort. Et malheureusement, même si je suis enchanté et que j'ai la résistance aux éléments, les dégâts qu'ils font sont quand même puissants. Heureusement pour moi, j'ai le double enchantement, toutes ces merdes. Donc on va attaquer direct, hein. Attention, ça va aller très 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 vite. Hop, donc je vous montre d'abord mon armure. Donc j'ai gardé l'arbalète de capture. Maintenant j'ai un arc en acier draconique. Donc 97 de dégâts plus les 30 sur santé et vigueur. Donc dégâts de glace pour éviter qu'il puisse courir sur moi simplement. Et 30 points de dégâts de foudre et dégâts magiques pour les mages pour justement éviter que bah, je me fasse déglinguer de loin. Ensuite, bon bah les flèches ça a pas changé, j'en ai pas reconstruit, j'en ai pas fait d'autres. Et le sabre en acier draconique. Voilà. Donc toujours la paralysie, parce qu'au corps à corps c'est juste le must quand tu paralyses, le mec il est couché, le temps qu'il se relève, c'est bon, tu l'as dézingué. Et les 39 points de brûlure à la cible. A savoir que cet enchantement, comme il est fait là, me permet une 140 coups avant de devoir la recharger. Donc c'est quand même pas mal pour une arme avec un enchantement si puissant. Et l'arc en acier draconique, je ne sais plus, mais je devais être dans les 300, je crois. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, je peux facilement reprendre grâce à ça. Et dans le pire des cas, je me ferai une arme à une main ou n'importe quoi qui me permettrait de prendre. Enfin, dans le pire des cas, j'ai toujours ma pioche, mais bon. À coup de pioche, 48 de dégâts ou pas 48 de dégâts contre les 183 du sabre, ça risque d'être long à descendre un mob. Ensuite, l'armure. Donc, amulette de crâne en or des arcanes. Donc, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas. Les enchantements sont plus ou moins puissants selon la pièce d'armure sur laquelle on le fait. Et au niveau des bijoux, plus le bijou est cher, plus l'enchantement sera puissant. Bon, il y a trois paliers. Je crois que c'est 200 septimes, 700 septimes. Donc voilà. En dessous de 200, c'est pourri. Après 200, c'est bien. Et après 700, c'est le must. Voilà. La valeur initiale, c'était 1200. Donc j'étais déjà au palier au-dessus. Voilà, donc résistance au feu 83% et glace 83%. Donc pour les dragons, c'est juste le pied. Ensuite, anneau double en or des arcanes. Alors déjà, j'adore le style. Pour le construire, c'est des gemmes spirituelles et de l'or. Donc gemmes spirituelles magistrales. Voilà. Donc résistance à la magie de 26%. Ça c'est toujours bien, surtout pour les dragons des ténèbres. Parce qu'ils font très mal, c'est con. Et résistance à la foudre, 83% aussi. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, mon armure de chevalier dragon. Donc la santé, 58% plus rapide. Et vigueur, 39% plus rapide. Ça, pas besoin de... Voilà. Y a pas grand-chose d'autre à mettre. Il n'y a pas plus intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai comme enchantement maintenant. Après, si j'en trouve d'autres pendant le jeu, je changerai d'armure. Ça, je peux me permettre. 318 d'armure, c'est pété. Ensuite, les bottes. Résistance à la foudre de 46%. Ça, c'est une erreur de ma part. Je pensais pas au début que. Enfin, j'ai d'abord fait l'armure et ensuite les anneaux. Donc voilà. Donc en gros, j'ai 100% de résistance à la foudre. Donc la foudre ne me fait que dalle. Si ce n'est qu'elle m'enlève ma magie. 30% de dégâts humains. Voilà. La boucle d'oreille. Donc ça c'est le petit plus du mode, enfin d'un des modes que comme j'ai pas les capes, bah, j'ai la bague, enfin la boucle d'oreille. Donc voilà, j'en ai fait deux. Une pour le vol à la tire et la furtivité, au cas où justement. Et une autre pour les attaques à la main 33% de plus et la résistance à la magie de 16%. Donc
voilà, donc je suis à peu près à 50% de résistance à la magie. Ensuite, le bouclier du chevalier dragon. La beauté. Augmente la résistance au feu, donc 62%, et résistance à glace, 62% aussi. Donc, ça se cumule avec celui-là. Donc, ça fait pas 100% de résistance. Donc, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais toujours est-il, quand je braque le bouclier. Voilà. Ah, mais d'accord, en fait, je viens de comprendre. C'est. Il faut que je me protège avec le bouclier pour que la résistance soit effective. Je suppose. Ensuite, dentelle chevalier dragon. Donc voilà. Hein. Voilà la tire, attaque à une main. Comme ça, j'ai 60% de chance pour le vol à la tire en plus. Donc là, je vais pouvoir voler. Ça va être cool. Ensuite, masse du vil clavicus. Donc j'ai enfin pu le booster. Donc maintenant, il est monté à 102 d'armure. Et bah, il a toujours le même enchantement. Hein. Ça, je peux rien y faire. Et j'ai un perk particulier. Je vous ai tout montré maintenant. Ouais. J'ai pris plein de quêtes secondaires aussi. Hein, comme j'ai dû faire pas mal de villes pour acheter des gemmes spirituelles. Comme vous pouvez le voir, mon argent a baissé quand même. Hein, bien 10 000. J'ai aussi acheté un T1 au passage. Je crois. Bah, je sais pas, je verrai bien. Donc voilà, hein, l'étoile noire. Je sais pas si je vous l'avais montré. Il me semble. Jamais étrange, j'en ai récupéré une. Voilà, puis j'ai pas mal de gemmes. On verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti. J'ai dit cash. Hein. Hop. Let's go. Je n'ai qu'en signant le traité de la paix connu sous le nom de traité de l'or blanc qui a mis fin à la grande guerre que l'Empire a réussi à survivre au massacre perpétré par le domaine admiridé aux elfes. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens pas qu'il y ait. Oh ! Ah oui, juste. Voilà. Donc ça, c'est la petite surprise. Par contre, je me souviens plus, mes cris sont. Enfin, dragon, il en a 7. Oh, affreux! Hop. Hop là. Donc vous voyez, c'est le bordel. On va soigner un coup, hein. Et par contre, c'est pas les mêmes dragons que la dernière fois. Oh merde, j'ai plus de... Donc voilà, hein, ça descend assez rapidement. Ma barre d'enchantement aussi, par contre. C'est le souci. Allez, viens là, Alwyn, à ton tour. Donc voilà. C'est assez de la folie. Mais après, si je suis trop pété, je baisserai, mais... Wow. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug quand je fais ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que je fais des attaques à répétition sans tenir compte de l'énergie qui me reste. Viens là, Alduin. Le fandragon n'empêche est un peu bugué avec mes modes.